Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2023. Après la tempête des élections, nous sommes heureux de vous retrouver. Ici, nous allons profiter pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année 2024. Et donc, le combat continue. Nous allons féliciter d'abord M. Félix Tshisekedi et M. Kadima d'avoir organisé ces élections très chaotiques, contestées, et eux-mêmes. Les gens qui réussissent, pourquoi y a-t-il ma contestation? Pour nanini ma contestation ezali, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas baza calme était parce que ils ont réussi, ils ont convaincu que Congo Mobimba ba sepeli na Félix Tshisekedi ba lingi ba pesa aide ba pesi deuxième mandat parce que nous ne sommes pas sûrs que ba résultat otoza komona et ko bonwana ou bien ko koma lisusu di kamususu. Je crois qu'il y a lieu de savoir. Et moi, je me rappelle souvent de Laurent Désiré Kabila qui disait « T'as gagné la guerre, mais l'essentiel, ce n'est pas de gagner la guerre. » Et Laurent nous disait « Nous avions gagné la guerre, nous avions occupé le pays, mais le grand problème qui reste et qui va être le plus difficile possible, c'est la gestion du pays. Nous avions vu la gestion de Félix Tshisekedi pendant les 5 dernières années, qu'il a été à la tête de notre pays. Et il a justifié que akokai kosala musala te parce que ba pesa ki e bo konzinyo sotoute. Lelo oyo, il a récupéré par force bo konzinyo so. Ce qui reste à faire, ezali sikoyo, kotala les 5 prochaines années oyo akozala na tete ya mboka. Tout seul, Yemoko Kaka, donc il a tout le pouvoir maintenant, et que Mboka Nabiso Akotindi Kango Wapi. La gestion du pays, c'est une autre chose. Eza Eloko Msusu. Na Kotia Kalme, la sécurité, économie Mata, Babilo Konyo Sotuana et Kende Liboso. C'est ça le problème qui va rester à M. Félix Tshisekedi. Moi, je ne suis pas là pour diaboliser que non, biloko boyekoza. Tout ce qui va arriver et causera justement conséquence et à biloko toza kosala. Ne pensons pas que les actes que nous posons aujourd'hui vont rester comme ça sans que eloko msusu ezanga ou bien eloko moko boye et ba conséquence nango to subir angote dans les 5 prochaines années. Le mécontentement du peuple, en tout cas, c'est vraiment, on voit que les élections étaient chaotiques, mais élection oyo elinga ki kolakisa biso maturité na biso politique na ndenge nini batu bazali ko envisager avenir à peuple congolais. Et ça maintenant ça se trouve dans le main du président Tshisekedi. Il va être proclamé président par la Cour constitutionnelle. Nabanzi ba opposant bazana na raison ya kolobate que non to kende na Cour constitutionnelle. Non, non. Moi je pense qu'il faut laisser parce que ba conséquence oyo koya après ba élection oyo eza ba conséquence moko grave. Ba tumsusu ba okoki mambangu po na nini parce que à ce moment-là il kozala sikoyo bo réaliser ba promesse oyo bo prometa ki batu na premier mandat ça ce qui vous justifia qui que non vous aviez été recalé ou bien vous allez qui vous allez malamouté vos dirigeants qui malamouté parce qu'il y avait des choses qui vous empêchaient. Maintenant le défi reste là, est-ce que beaucoup arrivez qu'on répondre maintenant na babiloko oyo il y a développement en mboka il y a kotia batunyo so ensemble il y a ko bongisa mboka comme il faut parce que bokonzinyo so eza epai na bino. Sachez une chose, yango na lingana loba awa, boye ba yango bien, ba frustration oye outi na élection et qu'on continue pendant le deuxième mandat. Et le monde ne s'arrêtera pas
ba insuffisance nabino ekozala plus en plus accentuée. Je ne sais pas si en 2028 nzambe akamba biso tozala wana lisusu totala comment ça va se faire. Mboka na biso eza na désordre moko ya kosakana te, et c'est là le grand problème que nous nous sommes en train de nous dire. Comment est-ce que nous ne pouvons pas arriver à sécuriser notre pays, même à sécuriser les élections en question? Parce que ko sécuriser yango ezala ki ko senga que le gouvernement en place et ça là na bosolo. Nous avons vu beaucoup de gens acheter babilo comme susu et salemi na ndenge salemi. Et les gens connaissent la vérité. Quel est l'ennemi que le président va avoir après les élections? C'est une bataille gagnée. Ce n'est pas encore la guerre. Bandeko, c'est une bataille gagnée, rappelez-vous. Et c'est ce que je vous disais que Muzea Bandeko Lobani na lobi. Toriko beta na bino bisonyo sotozui mboka mobimba. Mais le grand problème, ça sera la gestion après la guerre. La gestion du pays après la guerre. Tomona ki na ba pays mususu ao ba o zanzinga nzinga na biso ba se focalisa ki mingi na ko reconstruire pays na bango. Ils ont cherché par tous les moyens de chercher les ba astuces nyonso pona ko consolider paix na kati ya mboka na bango. C'est pour cela que vous avez vu les voisins dire que non. Si nous allons nous battre, ce qui guerre ekozala sur notre étendue, ils protègent leur population et puis ils font avancer l'économie en mboka na bango. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous comparer à certains pays comme la Tanzanie, le Rwanda ou bien le Burundi ou bien Ouganda ou bien Kenya. Ces gens-là voient le désordre qui règne en République démocratique du Congo comme un butin. Ils ont occasion na bango pour na faire avancer l'économie na bango. Ils en profitent justement pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'est un champ de bataille. Place au Batouba Bundaka et ça la République démocratique du Congo. Et c'est là où je suis en train de dire que place Mbuma Mabe, donc place Eloko Oyo Félix Tshisekedi va faire face à réorganiser le pays afin que Batouba ça la confiance en peu que. Parce que ce qui les cinq prochaines années, to vivre en Goli sous kaka na ba insécurité na ba biloko Oyo, et même si cette tricherie, ba conséquence à tricherie est courte et comme nous allons voir que la première année, Bokoyo Kalisusu, première année, oh, il va encore faire que non, n'y a programme à calendrier pour gérer Mboka. Ça va lui prendre encore une année. Donc, à côté de la canne à 4 ans, l'État va placer gouverneur, l'État va placer le Parlement, l'État va réorganiser Mboka. Je ne sais pas s'il sera à mesure. Parce que na campagne na to ki programme mon côté o ya ko sala alobi ke ba ko consolider o ba si bazwaki vont-ils continuer avec le programme de 145 territoires, va-t-il continuer avec le programme de faire des projets par-ci par-là, est-ce que babilon kwana eza sécurisé namba mobulu o toza komona o ndenge eza ko salema? C'est ça le grand problème que je me pose. Inquiétude na biso ezali wana. Bon, comme lui, il a pris le pouvoir comme il le veut. En tout cas, allez la lissoute que non, moutoute boya salie boye. L'importance de nous, les Congolais, c'est quoi? Ya place wana yango nena nga yina ebisabino. Bandeko, les Congolais, ce n'est pas le tribalisme. Eza ba discours populiste, oh, toza koyoka mikolonyoso, oh, ba kasayen, oh, ba biloko boye. Il faut taire toutes ces histoires-là. Il faut taire toutes ces histoires-là que Batouba Zala Sikoyo en confiance à Koloba. Bon, Félix, hein, voici le pays et vous appartient. Maintenant, vous aviez diabolisé la communauté internationale. Vous aviez chassé la MONUSCO. Maintenant, vous avez une armée qui n'est pas équipée. Mobulo ezali kaka. Et c'est comme cela que nous nous sommes dit. Tokotika Félix était parce que Mboka o ezana maboko na eza Mboka na biso. Ce n'est pas son pays. Tokotika Félix était à Salaboué, nous allons plutôt l'aider. Et c'est ainsi qu'à Contact Pro Live, nous allons dire ceci, nous sommes en train de dire ceci. Nous allons continuer avec les réflexions. Et que ces réflexions-là, ce qui a kolinga koyoka yango, et ko salisamboka. Ce qui a kolinga koyoka yango te, avec tous les aventuriers qui retournent pratiquement autour de lui, je ne sais pas ce qui a servir rien à leçon à Kolobake, non. Politique oh ya koloba comment dirais-je ya gloire et si là
Mettons-nous au travail. C'est le travail qui va aider la République démocratique du Congo. Travail en Ouzanin. Travail en Ouzalite Kotonga Bambok Bapon. Travail en Ouzalite Kotonga Baba Building. Travail en Ouzali Boete. L'essentiel du peuple congolais, c'est quoi? Il faudrait qu'il y ait un processus de paix. Et lorsque nous prenons la paix, nous disons qu'il faut identifier les Congolais. Il faut que tu identifies les Congolais, les problèmes, les problèmes, les problèmes, dans chaque territoire. Il faut voter dans Tshisekedi à 89%. Je commence à attendre des vidéos ici que Tshisekedi, il faut voter dans Tshisekedi. Ça, c'est un discours populiste et ça va être un discours électoral. Pendant que maintenant, l'année électorale est l'équipe, maintenant, nous allons rentrer au travail. Toko zonga to salamisala. Toko zonga to réclamer les services delivery, par exemple, en Afrique d'ici Total Akaobi. Est-ce que bazo komba banzela? Est-ce que babiloko ezali? Est-ce que toko zala naba passeport, psycho, système kozaba kobongi sango? Est-ce que toko zala naba carte d'identité? Est-ce que administration na biso kobanda kosala? Ou bien nous allons continuer toujours nakati à désordre? Oyo, et même abiso lisusu, nakati mboka kokende kobonga, économie na biso toko zala ngo ndenge nini? Tout ça, on ne réfléchit pas. Parce que na moni keneti ba Congolais bazana esprimo bazana miso ezako suka. Les Congolais ne voient pas ce qui est en train de venir. Ba Congolais bazako mona yangote. O ezali boso na biso nde kozala makasi parce que batu o bakufi par exemple pendant toute cette période là na période électorale ou tout ça. Leur sang va réclamer makila wana etangi makila wana et ko réclamer justice. Il a dit que la justice commence à être bien. Est-ce que Batouba Kozala na paix? Est-ce que nous allons retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo avec toute cette tension que l'élection Yamabe et Leki? C'est ça le grand problème et c'est ça le problème qui attend Félix Tshisekedi à résoudre. Félix Tshisekedi zaza na mukou a moko o e kangye na Kingo. Et nous pensons que vraiment, et nous souhaitons que azala à mesure, il y a qu'à résoudre le problème. C'est ainsi que je voulais un peu vous parler, parce que je ne serai pas long aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de ce que nous allons faire, nous ici à Contact Pro Live, l'année prochaine. Nous continuons là aussi Contact Pro Live, mais tout ça qu'on nomme en gros, tout qu'on renomme en gros comme réflexion, tout qu'on bandaka, qu'on y est l'abino, toujours dans le même sens où nous allons voir la Constitution. Actualité ndenge ezali koleka et comment apporter vision oyo tobanzi ke ekoki ko bimisa mboka na biso na kati ya donc ya kati ya ba trouble oyo tozana ngo. La paix à l'est, ça sera quelque chose que baswahili bakozela et pas Tshisekedi. Il faut qu'il résolve ce problème là à l'est de la République. Et dans cette optique là, et moi je me dis Félix Tshisekedi sera obligé, yako se dédire, c'est-à-dire, il va négocier avec les M23. Na politique, o yazan ango lelo, il va négocier absolument naba M23. Or, nous ne sommes pas contre parce que nous avions réclamé cette négociation-là depuis longtemps. Mais nous l'avions réclamé dans quel sens? Yako loba, tu ne peux pas aller commencer à négocier avec chaque groupe rebelle. Il y a une façon que biso awa to pensa ki ke non. Pour taire toutes ces histoires-là d'insécurité, c'est le problème d'identification. Or, tokomi komo onake, on dirait on va imprimer les gens, on va imprimer des cartes d'identité comme ça par déclaration et qu'on résoudre le problème à identité à Pueba Congolais. Ça ne va pas résoudre le problème de l'identité congolaise. Le problème de l'identité congolaise est un problème et administration ou est en place. C'est un problème de notre nation. La nation congolaise, elle est constituée avec beaucoup plus de nations qui sont à peu près à 450 tribus. Tous ces petites tribus-là constituent une nation. Et moi, nous ici, nous sommes disent que ceci. Pour que nous ayons la paix à l'Est, il faut rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, de façon que la base puisse se prendre en charge. Etienne Tshisekedi n'avait pas tort en disant qu'il faut se prendre en charge. Mais l'État doit justement gérer prise en charge ou en a par la population. C'est ça le problème que l'État devrait avoir.
l'État devrait contrôler effectivement est-ce que batunini yango bavanda kawapi, est-ce que mamakamu na bango ezalaka ndenge nini, les problèmes des chefs coutumiers, les problèmes des administrations du territoire, comment est-ce que les administrations du territoire sont gérées. Nous avions eu quelque part une petite déception, surtout na interview à la président de la République, na Top Congo, son dernier, avant les élections, c'était que Azoko Kanisa Lobby, Azongi Samakambo a nommé ba gouverneur. C'est-à-dire que il faut retoucher la constitution. Or, il a maintenant un parlement. Aza déjà na parlement naye, aza na danani naye. J'ai peur que tokota tozonga lisusu na dictature ya Mobutu, parce que il commence dans l'interview wana abande ko Kanisa Lobby Gana banzi ke makambo eza koleka na ba province awa, na banzi ki faut rentrer dans cette histoire là. Soki to landi ko sala makambo na ndenge yo alingi, comme il va faire là une dictature, il va imposer son point de vue à la population congolaise. Ça sera encore semer des troubles au lieu to sala ba biloko ango na ordre. C'est comme ça que j'ai dit. Il faut absolument, dans un premier temps, moi je pense que Félix devrait d'abord faire quoi? Devrait d'abord faire tous ces des conflits interethniques. Il faut avoir une stratégie pour taire ces conflits interethniques. Et taire ces conflits interethniques, c'est quoi? C'est d'abord les reconnaître que non, binope boza ba congolais, mais boza combien awa? Qui vit à Fizi? Bana yango bazalaka na Fizi, eza mabele ya banani. C'est ça que nous ici nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Bandeko, eza musala moko ya munene. C'est un très très grand travail que il faudrait que Tshisekedi apprendre en conséquence. Hein? Parce que aller dans cette histoire-là, à imposer les gens en disant que vous m'avez élu et nous allons commencer à gérer selon notre propre entendement, ça ne sera pas réfléchi. Il faut vraiment qu'on se diminue à Koloba. Mboka oyonga na ko gérer angonga mon côté. Mboka oyeza ya bisonyon surtout. Mais bisonyon surtout wana eza banani. C'est là où nous disons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Même si beaucoup de gens qui me suivent, bazako contestent que non, rétrocession du pouvoir, on est qu'aux alabientes. Mais c'est ça justement la base. Quand vous rétrocédez le pouvoir au niveau de la base, c'est-à-dire que les responsabilités provinciales, les responsabilités territoriales puissent s'exercer dans une certaine indépendance, batubayoki ke awa tokoyokana. Nous ici, nous avions pensé à quoi? Nous avions pensé à ce que Batou va se prendre en charge sur le plan administratif, par exemple. Les problèmes de la justice, les problèmes de la yaba responsabilité d'une partie économique, par exemple, économique, va gérer Ango Bango Moko. C'est ainsi la gestion, wana. Par exemple, sur l'identification. Que ça ne soit pas l'ONIP, que ça ne soit pas placé à Kinshasa, Babandako délivrer Batouba carte. Que ça soit les droits des chefs coutumiers, que ça soit les droits des administrateurs de territoire qui vont faire le recensement et que ça soit un processus. Il faut faire le processus, Moko, Oleki, Awa, Osaliboye, Omoni chef de secteur, Osaliboye. Il y a moyen de le faire et c'est ça que nous allons axer notre émission ici, réflexion, na 2024. Donc, cette émission réaction aujourd'hui, Zaka Kapona introduire Bino, parce que nous sommes en vacances et tout ça. Na lingina pesa Bino kaka perspective ya biso to banzi ke na 2024 to banda kolobela. C'est pour cela que je vous demande, encore une fois de plus, bon s'abonner, parce que nous continuons à réfléchir sur les modalités. Comment est-ce que nous allons pratiquer effectivement rétrocession du pouvoir à niveau à base pour que la base se sente organisée batunyo sur sécurité bienani batubazala par exemple à mesure ya ko cadrier. Imagine toi par exemple, je vous donne un exemple, comment quelqu'un peut avoir une machine à voter comme ça na kati ya territoire moko boy sans que l'administrateur de territoire, commission wana indépendante, il faut que toutes ces structures là soient placées au niveau de la base. C'est ça que nous appelons la rétrocession du pouvoir, et il y a moyen de le faire na 2024 ezali année moko où Félix doit se démarquer vraiment pour qu'on réorganise Congo. Ça sera pour notre avantage. Tous on a besoin de que non Félix toi à la roi ou quoi que ce soit. Non, nous sommes déjà dans une étape de la démocratie et que nous ne toki kozonga souci maté
jamais toi ko zonga sima. C'est comme cela que nous nous disons, il y a lieu de faire quelque chose de bon, ce qui Félix a entouré et que yé moko vraiment a commis humble à koloba mboka oyo et mboka nanga mon côté. Même à taba tu bazolo ba oh biso ba swahili biso boto sala ki boy bat biso ba il y a à boire et à manger bande konangai. Voilà un peu perspective puis awa na banzi ke émission asuka na ané oyo yango oyo et nous reviendrons justement avec une nouvelle formule à réflexion année prochaine et année prochaine et kozala bien parce que nous serons vraiment à notre aise tosito lekisi ba biloko nyonso et donc moi ici à Contact Pro Live je vous souhaite une très très bonne année et puis j'appelle même à tous ceux qui n'ont pas réussi ou ba combat ou à opposition ou quoi que c'est ça aller dans l'opposition républicaine bota la kam ndenge tshisekedi azo sala moi je pense que il faut lui laisser à subir conséquences et moko ya ba tricherie na ya ba élection oyo euti koleka conséquences za makasi pourquoi parce que c'est l'après-guerre qu'il faut gérer. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve l'année prochaine dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.